Là pour la francophonie, mais tous dans ce soir-là, dans une même salle aux deux plateaux. Nous sommes au lancement du festival Nidalé. Entendez la joie en dedans. Et ce morceau dans le générique qui a fait son temps. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Il s'agit ici pour le conseil régional de faire la promotion de la culture dans. Père du Tonkpi Nidalé, un projet culturel fédérateur, structurant et porteur de dynamisme innovant, afin que la culture soit le soubassement de notre action de développement. C'est aussi un moment de témoignage. Le ministre d'État, Mabri Toakus, à sa façon, il a su apporter une édification à la personne que je suis aujourd'hui et devenu membre du gouvernement. Gouvernement qu'il a si magnifiquement servi, et il faudrait que nous retournions sur cette terre pour lui dire notre part de gratitude et d'infinie reconnaissance. Puisque c'est une région magnifique, je dirais les premiers cafés qui sortent avec des capsules de la Côte d'Ivoire sont des cafés qui sortent de la région des montagnes du Tonkpi. Nidalé a le soutien des ministères du tourisme et de la culture. Ma et la région de Ma du Tonkpi regorgent d'initiatives, de nombreux festivals. Mais il manquait un grand festival qui rassemble toute la région. Vous le faites aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. Le festival est lancé au moment où la Côte d'Ivoire marque des points à la francophonie. Vous lancez ce festival et la Côte d'Ivoire décroche ses premières médailles d'or. Le top départ est donné. L'OIF insiste sur le sens de Nidalé qui doit être prôné par chaque Ivoirien. Et j'ai demandé que veut dire Nidalé. Et j'ai entendu le sens de ce mot qui est puissant. Parce que ce sens se doit d'être répandu sur l'humanité tout entière. Nidalé veut dire la paix. Nidalé veut dire la joie. La joie de vivre ensemble. Cette belle aventure va marquer l'histoire du Tonkpi. C'est un jour exceptionnel pour ce peuple qui est certainement à la recherche, je dirais, de son identité par rapport au fait que la culture, à un moment donné, n'est plus ce que nous étions. C'était très agréable. Nous avons vu des prestations de danse, des défilés et puis on a vu les peintres traditionnels, comme vous voyez. C'est donc parti pour le festival du Tonkpi. C'est du 7 au 17 décembre. Un festival qui présente le Made in Dan, c'est-à-dire le riz de Danané, l'huile rouge, les feuilles, les paignacouba, le kouleba, le masque échassier, bref, la culture dans, les richesses dans, les danses traditionnelles, la marque déposée.